Magnifique. C'est beau, hein? Un artiste, ça s'improvise pas. Ça se travaille, ça se construit. Hein? Bon, pour toi, c'est foutu, mais pour d'autres, il y a encore la classe opératoire des arcades. La gentillesse de bien vouloir nous servir de guide pour nous faire découvrir cette classe de prépa artistique à ICI. Nous commençons par où? Nous commençons par le bureau de la directrice. Notre volonté est véritablement d'inscrire les élèves dans une démarche artistique. Vous allez trouver en fait au sein de la classe prépa l'ensemble des disciplines qu'on appelle conventionnelles ou académiques. On a une particularité qui est celle précisément de travailler dès la classe prépa photographie numérique et vidéo. Et puis le tout également avec évidemment l'histoire de l'art, visite d'exposition. Ce qui nous donne à peu près entre 30 à 35 heures de cours par semaine. La finalité, c'est que les élèves aient le maximum de concours pour qu'ils aient le choix. Donc notre idée pédagogique, c'est un accompagnement spécifique pour chacun des étudiants. Une des dernières formations dans la société qui soit polyvalente, donc cette formation leur permet, s'ils ne deviennent pas artistes, de travailler dans tout un champ de la culture, de métier de la culture, organisation d'événements, assistana d'artistes, régisseurs. Les 9 profs qui y enseignent pour 27 étudiants, ce qui est un ratio quand même très très bon, et donc tous ceux qui vont jusqu'au bout des concours, on a 100% de résultats. Quels sont les avantages finalement d'avoir la structure dans sa propre ville? De rester le soir aussi travailler, puisque les arcades sont ouvertes jusqu'à 22h. On a un ordinateur pour deux, quoi. On a des caméras, on a des appareils photos, enfin c'est vraiment génial. Avant de quitter cette classe prépa, as-tu un dernier mot à donner aux lycéens et aux lycéennes? Je le sais, parce que maintenant je suis dans une école, encore une fois, je vois à peu près un panel de gens qui viennent de plein de classes préparatoires, et je sais que cette classe préparatoire est, comment dire, unique et qu'il faut la défendre. Bientôt, Nana. Au revoir, merci. Au revoir.